Coucou, aujourd'hui c'est un haul. J'ai fait une petite commande chez Brico et Scrap, donc c'est une boutique que j'aime beaucoup. Toujours de bons conseils si on pose des questions. Très très rapide. Donc je vais vous montrer. J'ouvre avec vous. Vous voyez que c'est très bien emballé. Donc ici, il y a toujours une feuille. Donc, j'arrive à l'ouvrir. Voilà, il y a toujours une feuille personnalisée avec le prénom, des partenariats et tous les renseignements. Donc, c'est vraiment une boutique que je vous recommande. Donc, je vais ouvrir. Encore un petit mot personnalisé. Merci pour votre nouvelle commande. Je vous souhaite une très belle scrap journée. Tony. Alors, moi j'ai pris du scotch double face rouge pour faire des albums. Alors, ça c'est nickel. Il y en a un qui est beaucoup plus puissant qui est bleu. Il y a plusieurs dimensions. Moi j'ai pris celle-ci. Pas si on voit bien. Ensuite, j'avais trop envie, alors vous voyez que tout est bien emballé, tout est soigné. J'avais envie d'essayer l'effet craquelé, donc j'ai acheté le produit Stamperia. Donc là, je vous ferai une vidéo suite à mes essais, donc je suis super impatiente. Il y a toujours une petite douceur. Donc c'est adorable. Ensuite j'ai acheté ces deux petits ces deux petits lionceaux, j'ai totalement craqué. Voilà, ils sont trop mignons. Donc vous avez un récapitulatif de votre commande. Donc j'ai pris du papier bleu. Donc c'est 10 feuilles de 210 grammes, super papier, j'ai déjà travaillé avec. Et après, j'ai totalement craqué sur ce bleu, donc j'adore cette couleur. Et ça c'est, à moins que je change d'avis, ce sera pour faire un album avec la collection Pink. Donc celui-ci, il y a 20 pièces, c'est un cardstock texturé. Voilà, donc je suis et j'ai une petite pochette aussi que j'ai commandée pour ranger des petites choses. Donc voilà, je vous recommande vraiment la boutique Brico et Scrap. Pour tous ces conseils, pour tout le soin, pour sa rapidité, pour la qualité des produits, c'est vraiment une boutique que j'adore. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt.